Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fringuy. Aujourd'hui on est sur Empyrion. On va voir qu'est-ce qu'elle fait Fringuette sur sa petite planète. Allez, on y va. Allez, puis on est retourné à la base, j'ai remis des trucs dans la machine. Mon inventaire est full, complet, full, full. Donc il va falloir que je mette tout ça dedans. Panneau solaire, c'est impressionnant ça. Ça c'est ce que j'ai fait, ça je vais récupérer en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre? Pas beaucoup plus, pas beaucoup plus, pas beaucoup plus. On a des trucs à débloquer, c'est cool. On va foutre ça là-dedans. Ça c'est des plantes, on va pas avoir utilité ça, j'en aurais besoin. Ça on peut le laisser là, ça on peut le laisser là, ça aussi, ça on va voir. Ça, tout ça, allez, hop, hop, hop. De la bouffe, c'est pas mal. Ça, je peux... Non, ça par contre, ça j'en ai besoin, je peux le mettre dans l'eau. Ouais, le gros, ça non, non, non. Non, 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 ça on laisse là. On organise ça bien. Ça là, et là, de la munition. Et puis, ça on va pouvoir le mettre là-dedans. Et on va voir qu'on va pouvoir débloquer ça, c'est le carburant. Donc là, logiquement, on pourra faire des charges de ça. 50, c'est très bien. Et on va pouvoir voir l'énergie qu'on a. 8%, c'est pas mal, mais il nous faut un peu plus. Donc on va démonter les panneaux. Les panneaux solaires comme c'était prévu. 4 panneaux solaires, des blocs. Pas des masses. Bon, on va en refaire. Après ça, après après la fabrication de notre petit bidule. Par contre, il faut que je prenne une recharge. Parce que j'en ai pris. Voilà. Et il est où mon machin en fait? Je l'ai pas laissé. Je l'ai pas récupéré, j'ai foutu là-dedans, je suppose. Mon démonteur à tout faire. Il est où? Perdu. L'aurais-je perdu? C'est pas possible que je l'ai perdu ce machin. Ou je l'ai pas lancé. Bah, j'ai peut-être pas fait en fait. Sur le coup, je sais pas. Ah bah, c'est pas grave, on va le faire tout de suite. Donc ça, on va l'arrêter. Ça aussi. Et on va remettre derrière. Donc de ceci. Ça c'est toujours utile, c'est toujours bon à voir. Après, on va se faire du bloc. Autant qu'on veut. Et voilà, ça c'est nickel. Donc on va utiliser ce nouveau petit ustensile qui est bien gentil. Il est là, il est cool, il est super. Donc on a le choix avec plusieurs modes de trucs. Alors, plusieurs modes d'utilisation. Démonter, donc ça va démonter les éléments. Réparer si c'est cassé. Changer rotation, ouais, on peut essayer. Ça a amélioré, je suis pas sûr. Utiliser l'amélioration de cet élément. Construction. Les blocs doivent être intacts pour pouvoir être améliorés. Je vais m'essayer. Et ça, c'est désassemblé. Ça veut dire que ça va nous donner les ressources de ce panneau-là. Admettons. Et moi, là, pour l'instant, ces panneaux-là, j'en veux plus. Je l'ai uniquement les ressources. Donc, je l'ai démonté. Et là, ça me donne quelque chose. Bon, peut-être pas ceux-là, ils sont tout petits. Ceux-là, on va les démonter. On va les démonter, ça c'est les gros. Voilà, un panneau solaire. Peut-être quelquefois ça vaut tellement rien que en ressources qu'ils donnent même pas de ressources. Et puis, bah, ça c'est cool parce qu'on va pouvoir démonter les piliers qui ont été mal posés. Donc ça, on va pouvoir le mettre là. Du style ici, je crois que j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on était bon. Là, c'était totalement foiré, donc on va démonter. Non, celui-là, démonter. Et là, ça vous va vous donner un bloc. Je vais leur donner les blocs tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Qui vous sont donnés. À la fin de la production. Par contre, c'est pas ce poteau là, c'est celui-là qu'il faut que je casse.
pas pourquoi j'arrive pas à le poser plus profond, lui. Pourquoi j'arrive pas à le mettre plus. Ça peut-être ça sera plus simple. Donc ça c'est bon, ça on pourra le fermer d'en haut, tac. Ça on va le récupérer. Les blocs de béton ils sont importants à début, ça on a pas des masses. Donc c'est bien d'éviter de pas les gaspiller inutilement. Pour mettre fermer ça un peu. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Puis maintenant, on va essayer de reposer nos panneaux solaires correctement. Donc, la plateforme est là, faut juste que je vais les décaler ceux-là. Je vais les reprendre du début. Fois qu'on saute de trop loin, c'est mal. Donc celui-là, je vais les démonter. Voilà. On va les reposer comme il faut. Bien tourner dans le bon sens. Voilà, tac. Sens un dans l'autre. Là on gagne juste un bloc, hein. c'est pas la gloire, mais. Ce modèle là il est vraiment très lent, mais pas très efficace. On va les poser rapidement parce que je les ai tous démontés, il n'y aura plus de recharge. Tac, c'est nickel. Tac. Paf. Ce type de montage, c'est vraiment du bonheur. Tac. Et bien sûr on fermera là, on bouchera les trous, hein. On n'est pas des sauvages. On va le tourner, tac tac, paf. Et là j'en ai encore 9 en stock. J'en attends que ça. De toute façon dès qu'on arrivera à la limite il voudra plus reposer. Ça va être vite réglé de toute manière chers amis. Ça va être vite réglé dès qu'on a la quota, chaque entité, chaque unité. Un quota de certains loot, certains items comme ceci par exemple. Et là et pour nos bases, et ben pour l'instant on a droit qu'à 15 panneaux solaires. Et puis tu as 15 panneaux solaires, je peux vous dire ça, ça peut débiter quand même sévère, hein. Moi quand j'ai dernière mission, mon dernier petit tableau que j'ai jeté à la poubelle, ben, j'en avais marre. J'avais 15 panneaux bien grands, 15 panneaux solaires nickel chrome, et j'ai dû rajouter, dû avoir de ces condensateurs solaires 4 pour pas que la recharge soit à 100% tout le temps. Donc je vais peut-être pas le faire tout de suite, mais ça ne saurait tarder. Là j'ai des recharges, j'en ai assez là par contre. Là, il me faut des blocs parce que là il faut que je puisse finir de poser mes panneaux. Il m'en reste 4. Donc on va prolonger là-dessus. La tente, on va essayer d'éviter de la ferrailler. Et puis voilà.
ça sera pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ça sera pas trop mal, ma base aura pas mal avancé déjà. C'est déjà un bon petit début, je trouve. C'est quand même déjà un bon petit début. Donc là, je vais tirer cela. Tac. Tac. Au moins là, le panneau, il va pouvoir poser sur un sûrement de quelque chose. Oups. Paf. Il en reste 3. On va attendre que ça... Comment marche la recharge? Là, il est 10%. Ça va pas mal. Hein. Ça va vraiment pas mal. Hein. Ça fait tant que ça. Bah non, j'en ai déjà tant. 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ouais, il m'en reste juste un. Donc j'en ai 2 de trop. Mais je vais faire juste le petit bout de plateforme qu'il faut pour pouvoir mettre ce dernier panneau. Et l'autre, je pourrais le démonter. Ça se peut pas le vendre forcément. Les shops, ils veulent pas de ce genre de matériel. Ils veulent pas de ce genre de matériel dans les shops. Ils en ont rien à foutre. Il y a des trucs qu'ils récupèrent, il y a des trucs qu'ils achètent, des trucs comme ça, mais. Ce genre d'article, non, pas du tout. Donc celui-là, on va le mettre comme ça. Paf. Il sera à moitié sur la tente. Là, je peux plus en construire. Donc je vais en démonter un. Donc le démanteler. Désassembler. Désassembler celui-là. Et je dois avoir de la ferraille et une plaque d'acier. C'est ça qu'on a besoin pour même en démonter deux. Comme ça, je peux démonter les deux. Et je peux mettre les deux autres. Comme ça, je n'ai pas de... matériel en attente. Voilà, pouf, paf, pif, pouf. Alors qu'est-ce que ça dit? Du 10%, c'est pas mal. Du 10%, c'est pas mal. Il n'y a pas grand-chose. La puissance est presque bonne. Je vais récupérer mes blocs là. Est-ce que je peux en avoir encore d'autres? Non, j'ai plus grand-chose. Je vais me faire du lingot de ça, du lingot de ça, du lingot de ça en attendant. Je peux me faire ça aussi. Des pastilles. Voilà. Ça, je vais pouvoir le refoutre dans la bécane. Ça, je le mets là. Je vais finir la plateforme correctement. Je vais boucher tous les trous. Ah, le constructeur, il m'embête en paix, mais il me sert à... Il me sert à... de réserve, de stock. Je vais pas refermer ici aussi. Tac. Voilà. De toute façon, là où il y aura des blocs, il va pas en remettre. Hein. Il va pas redoubler les blocs. Là, il n'y a pas de trou. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas de trou. Là, c'est bon. Là, je vais tirer. Je vais fermer là. Là aussi. Voilà. Là aussi. Et voilà, écoutez, moi du 10 blocs, c'est pas mal, ça va me servir à quelque chose de toute façon. Et puis on va attendre que les condensateurs tournent, on va débloquer des trucs vite fait. Ça, on a un peu de ressources, on a quand même quelque chose. 317 disponibles ici, là. Donc en armes, on doit être pas mal. Ce que j'aimerais bien, c'est... En armes, on est pas mal, on est pas mal. Fusil impulsion, ça c'est bien, fusil impulsion. Lance-roquette pour l'instant, non, fusil à pompe, ça m'intéresse pas. Maintenant, bien sûr, chers amis, même si on n'a pas les points débloqués, on pourra choper du fusil à pompe V2. On pourra en choper dans les bases, ça c'est sûr. Hein. C'est pas parce qu'on les a pas débloqués qu'ils sont pas dispo. Mais... On pourra pas le crafter pour l'instant. Par contre, est-ce que je vais pouvoir faire lancer une construction du V2? Parce que le V1, c'est un gros navet pourri. Je crois que si, je peux le faire le V2 maintenant que je l'ai débloqué. Ah non. Non, 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 non. Alors les V2, il y a certains types qu'on pourra pas débloquer. Parce qu'on n'est pas sur le bon constructeur. Là, nous sommes sur un constructeur, grand constructeur. Mais nous, on aura besoin du...
du grand constructeur. Là. Constructeur avancé. Pour l'instant, on l'a pas débloqué. Il n'est pas débloqué. Donc, ça, c'est le dernier constructeur. C'est le dernier niveau pour avoir style d'outil multifonction V2. Mais on ne l'a pas encore débloqué. Est-ce qu'il est par là pour le débloquer? Constructeur V2. Oui, il est là. Mais il nous faut des. Il y a des ressources qu'on n'a pas pour, par contre pour. Je crois que j'ai pas toutes les ressources pour fabriquer le V2. Constructeur V2. Donc on va pas assister. On vient de commencer le jeu là. Je sais pas à quel épisode on est là tout de suite. Parce que là je fais à la chaîne. J'enregistre à la chaîne. Là on a un auto mineur V1 déjà, c'est déjà une bonne chose. Le hover pour l'instant. On va le crafter, on va le faire en blueprint, c'est-à-dire par là. Donc on n'aura pas forcément besoin d'avoir les ressources. Sauf si on nous le démonte. Ça non, mais le plus important c'est quand même la base. On va quand même évoluer au maximum le truc de la base. Car la base faudra qu'elle soit correcte. Donc ça, faudra le générateur V1. Ça on aura besoin aussi. Ça c'est pas vraiment utile, mais bon. Des fois, faut débloquer une certaine ligne pour pouvoir débloquer le reste. Du style des tourelles de défense comme celle-ci. Ça, les roquettes, c'est plus compliqué. Ça, j'ai une fournaise, on peut le débloquer. Ça, médical aussi. Les portes blindées, c'est des trucs basiques, mais il faut le débloquer aussi. Le réparateur. Ça aussi. Le réparateur là aussi. Il faut tout débloquer déjà. Ça c'est pas très... voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On peut aller sur les armes, on est déjà bon. On est déjà bon, on débloquera le reste après, hein, pour avoir la totale, même si on s'en sert pas forcément. Ça on peut débloquer aussi. C'est pistolet de texture et de symbole de couleurs. Pour coloriser nos blocs et avoir une jolie petite base. Ça c'est bien, ça c'est pas besoin, c'est le constructeur, donc on n'a pas besoin de le débloquer, on en a déjà un, ça nous sert strictement rien de le débloquer. Petit vaisseau. Il y a des trucs qui se débloquent sur un truc et des trucs qui se débloquent sur un autre. Les cockpits, les portes, machin. Les super propulseurs, les Gatling pour les mettre. Les petits chasseurs, tout ça, réservoir à carburant, c'est du truc de dingos. Pouf, on a plus, si on a peut-être celui-là, on peut débloquer aussi, paf, voilà, on est ok good. On est ok good. Et puis, bah écoutez, le prochain qu'on pourra faire, ça sera... Ah, c'est les recherches, ça marche bien. Ouais, ça monte du 11% tranquille, hein. Il n'y a sûrement pas grand-chose qui tourne là-dedans. Ah, le Prometheum qui charge. Ça remet là-dedans. Et puis, bah écoutez, on va voir ça. Ce qu'on fait. Incessamment. Allez, on revient tout de suite. Eh, hey, me revoilou, les petits loups. Alors, quoi de neuf? Bah, j'ai bougé un peu. J'ai fabriqué 2-3 trucs. J'ai fabriqué un frigo, mais il n'y a rien dedans. Il y a de moi, ça tient donc. Mon. Synthétiseur de nourriture, mon truc à remuer, il était, on est d'accord. Là, mon constructeur il est bientôt vide. Je me suis fait un chasse pour foutre tout mon merdier dedans. J'ai fait un accès à mon chip core, à mon noyau, à mon chip core. On peut l'appeler chip core aussi. Hein, ça, c'est aussi hein, la même chose. Ici, ça va être ma base logistique. J'ai commencé à miner un peu. J'ai mis mes réservoirs d'oxygène. Je mettrai mon carburant aussi et puis un générateur. Avec un peu de lumière dans la roche, c'est marrant, ça change. Et puis, j'ai besoin incessamment de plastique, mais je n'ai pas vraiment les bons. Je n'ai pas vraiment les bons. Les bonnes plantes. J'ai fait une serre. Une petite serre. Avec la ventile, bien sûr. Toujours de la ventilation dans les serres. Ça vient d'être fait, ça poussera. J'ai des lumières que je peux fermer, je peux activer. Désactiver. Comme ça c'est totalement indépendant de la lumière qui est dans le éclairage là. Si j'éteins là, c'est éteint, ça sera éteint dans toute la base. Et si je fais ça, ici c'est allumé. Bah, c'est indépendant et ça c'est cool parce que
Même si on éteint la lumière des bases, de la base, la serre, s'il n'y a plus de lumière, les plantes elles crèvent direct. L'énergie, ça a l'air pas trop mal, 26%. Ok, on est d'accord. Et puis écoutez, je crois qu'on va aller se faire du méchant, je crois. Mais il faut trouver une base intéressante. Mais je n'ai pas trouvé de base intéressante pour l'instant. J'ai ma chignole, j'ai mes pétards, j'en ai fait un aura. Fusil d'assaut V2. Fusil d'assaut V1, je pourrais en laisser un là. Pour mon petit plaisir. Du carbu, ok. Ça allume, je les mets là. Tac, les chignoles, tout ça. Mais pour ça, je vais laisser peut-être des recharges, j'en ai pas besoin d'autant. Il me faut du plastique pour avoir mes recharges pour le mineur. V2, celui-là, il manque toujours les matières plastiques, c'est ultra chiant ça. Il nous faut du blé. Il nous faut du blé et j'en ai pas. Donc on a le choix entre aller tuer des méchants, tuer des petits pelots dans le village. Ou alors on va se faire une base. Mais une petite, ça serait bien. Temple, c'est trop cher, c'est trop chaud. Village, il est là. Ça, Elix. On manque, on n'a pas encore tout visité, hein. Spatioport, c'est même pas la peine. Connaître structure, sur des stanks. Il faudrait que j'aille visiter toute cette partie-là, mais. Je crois qu'on va partir en vadrouille par là-bas en bas. On va essayer de chercher une petite base désinfectée, il y en a. Pour les démonter. Récupérer du loot, mais c'est un peu nul parce que là, si je récupère du loot, je pourrais pas le ramener. J'ai rien qui vole là. J'ai rien qui vole là. Faudrait que je regarde dans mes sources si je peux, je crois. Je peux pouvoir me faire un petit vaisseau là. Je vais vider ma machine. Au blueprint, on va se prendre le petit tout léger. C'est ça comme ça. C'est celui-ci que j'aime bien. Ça a l'air pas mal, j'ai assez ce qu'il faut pour le faire. Je vais vider ma machine. Je vais prendre ça. Ça et ça. Du carbu, je pourrais en avoir. Faudrait que j'en lance à faire. Reste 20 pastilles, mais j'en ai encore par là. Je vais mettre ça. Tac. Tac. Des pastilles. Pastilles de prométhium. Ouais, il en faut beaucoup plus pour faire les grosses. Se recharge. On va faire une centaine. J'ai une petite ressource. On va partir direct sur du blueprint de celui-ci. On va fabriquer. Donc, silicium 125. On a un peu beaucoup. Tac. Dès que c'est passé en vert, c'est bon. Après, le surplus sera pour le prochain. Pour le prochain ship. Donc, ça. Bon, celui-là il est super fragile donc faut pas s'amuser à faire trop de batailles avec parce qu'autrement il part en morceaux. Bon, par contre là le fer je vais être obligé de quasiment le mettre entièrement. Ouais, quasiment entièrement. Ouais. Quasiment quoi. Et commencer la production. 27 minutes. Bon alors écoutez, on va faire autre chose. Pendant ces 27 minutes. La base, je l'ai bien avancée. Les drones, ils sont par là-bas. J'ai des mitrailleuses, mais je n'ai pas les coffres pour mettre des munitions. Car je les ai pas encore débloqués. C'est pour ça qu'il faut que je me fasse un peu d'XP. Les coffres à munitions, ils sont dans les outils ou divers. Ils sont là. Et il me faut 4 et je n'ai même pas un. Sans munitions, les tourelles tourneront, mais elles tireront sur rien du tout parce qu'elles n'auront pas de munitions. Donc, en attendant ces 27 minutes, moi je vais aller miner un peu mes petites ressources là dans le coin, c'est-à-dire celle-ci. C'est là-dessus que je suis pour l'instant. À sa fabrique. Et dès que le blueprint est ok, on reviendra. On pourra recharger un peu la machine. Et puis, on pourra partir en expédition castagne. Ou autre chose, hein. Peut-être qu'on tombera sur quelque chose d'intéressant, ça faut que je remette dans la bécane. Voilà! Alors, allons-y les petits loulous! Allez, à tout.
tout de suite. Et ben voilà les petits loups, je suis de retour à ma petite base. J'ai miné un peu. Le pourcentage d'énergie marche très bien. Mon blueprint est terminé. Donc on va le sortir. On vient voir si les plantes grossissent un petit peu. Pas très violent. Hein. Donc on va sortir notre petit vaisseau de combat pour pouvoir s'amuser un peu et planer. Donc il se trouve là. On peut le générer. Tac. Alors avant, fallait avoir une plateforme pour pouvoir poser son vaisseau. On est d'accord. Quand il est en vert, on peut pas. Quand il est en rouge, c'est bon. Enfin, quand il est vert, on peut. Et quand il est en rouge, on peut pas. Mais manifestement, avec les mises à jour, on peut. Maintenant, on peut le poser sur l'herbe. Bref. Alors qu'avant, c'était pas forcément le cas, parce que pour des petits vaisseaux, c'est bon. Mais bon, quand on avait des vaisseaux énormes, des vaisseaux mères énormes, il fallait faire des plateformes énormes aussi pour pouvoir poser son vaisseau. On peut pas le poser dans le vide. Dans l'espace, admettons, voilà, dans l'espace, t'es obligé d'avoir une plateforme ici, pas forcément, mais dans l'espace, si, donc voilà. Donc voilà, alors on va charger un peu tout ça en carburant, en munitions, bien sûr. Et on va aller explorer. Alors qu'est-ce qu'il a de bien? Il y a des petits trucs là derrière. En tout cas, munitions apparents, d'accord, ok. Un truc avec l'oxygène, ok. On va le charger. Oxygène à fond, paf, carbu, munitions, paf. On peut le faire comme ça ou directement dans le. On peut mettre directement dans le chest. Avec le P comme on vous a dit, ça va nickel. On a 2-3 petits inventaires mais ils sont nettement insuffisants. On a un petit frigo, il y a de l'orage dehors. On a un petit frigo là. Et j'ai un autre modèle de celui-ci, un peu plus évolué on va dire. Mais c'est pas celui-ci. Ça c'est vraiment le type du jeu. C'est le modèle d'origine du jeu et j'en ai crafté plusieurs à la base de celui-ci, sur la base de celui-ci. Donc bah écoutez, on va essayer d'aller voir ce qu'il y a d'intéressant dans le coin. Carbu, je peux le laisser, ça je peux le laisser là. Ça je peux le mettre dans les machines par contre, ça je peux bien le prendre. La moto je la garde parce que si des fois mon vaisseau part en petits morceaux, toujours cool de l'avoir, ça je pourrais le garder si des fois. Non. Pour démontage, ok, pas trop mal. Ça je vais le prendre aussi parce que j'ai faim. Tiens, une fois que ça marche plus, une fois que c'est plus utilisé, vous pouvez couper, hein, pas de problème. C'est ça qu'on a besoin. Pousse de blé, faut qu'on en trouve absolument. Des pousses de blé, c'est quoi ça? Shoot à trélamide, ok. Les... ça a été mon changé de couleur et de forme. Donc je suis obligé de regarder parfois ce que c'est. Quoi. Ça, je peux l'éteindre. Et puis on va partir en XP, quoi. Hop. Sur notre petit vaisseau, bien cool. On appuie sur F pour entrer. On appuie sur P. On allume l'oxygène, par exemple, on en a ici. Capteur non plus. Les propulseurs sont bons. Pour sauver le modèle ici, pour s'il y a besoin de le remettre à jour, pour le réparer, admettons. Donc moi je mets toujours en vie comme ça. Avec le tableur, je recule un peu. J'aime bien le voir bien correctement. On appuie sur tableur, ça le verrouille. Et après avec tableur, on peut tourner autour, il n'y a pas de problème. Je déverrouille le frein automatique qui est à droite. Et là, on part tout droit à l'est. Allez, on est parti. On va voir ce qu'il y a d'intéressant. Je recharge les Breitling, les Gatling. Et on va voir si on trouve une petite base, un petit quelque chose à faire par là. Encore exploration, c'est vraiment un jeu où il faut vraiment explorer. Quoi. C'est vraiment... ça pourrait être chiant on va dire, mais faut bien explorer pour trouver des trucs. Donc on va aller voir ce qui se passe. Bon, ils sont pas rapides hein. Ces petits chasseurs sont vraiment pas très rapides hein. Franchement ils sont pas rapides du tout, ils sont même très lents.
Après, moi j'en ai un autre où il y a. Là, il y a au lieu d'avoir 4 réacteurs, je m'excuse, je viens de bouger mon casque, des fois ça fait des bruits. J'ai 4 et. J'ai 6. 6 ou 8 réacteurs, il va pas plus vite. Il va pas plus vite. Donc, bah écoute, c'est comme ça, hein. Ça donne l'occasion de jeter un œil. Donc, si vous voulez voir un peu comment ça se passe, ce qu'il y a aux alentours, hein, vous êtes à. Vous appuyez sur table avec la caméra. Vous appuyez sur. Alt, pas table. Alt. Vous tournez la caméra, vous pouvez voir au-dessus, en dessous. C'est bien comme ça, vous pouvez voir si vous manque des bouts. Et celui-là, vu que c'est d'origine du jeu, il est pas très blindé. Tiens, il y a un petit drone là, je vais me le faire, ça va me faire des XP. C'est un petit drone, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Pouf! Bon, pour s'arrêter, c'est mieux de remettre le frein parce que pour stabiliser le vaisseau. Si le frein n'est pas activé, c'est la remisère. On va récupérer ça, on se met là. On sort sur le cockpit de notre vaisseau. On rentre là, paf, c'est reparti. Et puis c'est arrivé. Quand un drone qui traîne tout seul comme ça, dans le coin, c'est pas normal. Tu es toujours au-dessus d'une base ou au-dessus d'une d'un gisement. D'un gisement. Donc on va voir ce qu'il y a. Bon, là, il commence à faire nuit. Encore une fois, il y a des bugs là, il y a de la fumée de drone que je viens d'éclater, mais c'est pas terrible. On peut mettre la vue. Vue thermique pour voir un peu plus clair. Écoute, y a pas grand-chose encore là pour l'instant. Un joli petit lac. On va voir sur la map qu'est-ce qu'il dit. Ah, on est déjà passé de l'autre côté. Ouais. Alors si on est déjà passé, on a déjà traversé la zone. On va retraverser la zone, on va aller en direction de notre base pour enlever le brouillard de guerre avec un petit cap est, un petit peu à gauche. S'il prend 3 blocs, hein. Voilà, c'est bon, je suis à peu près bon. Il prend 3 blocs. Là, il y a un truc là en bas. Connaître structure, donc ça c'est bon, on a déjà vu. Et puis c'est vrai que si on veut péter la gueule à des méchants, on peut aller sur la lune aussi. Des petites bases là, pas trop compliquées. Mais ce qui serait bien, c'est de rester là pour l'instant. Et puis pour sur la lune, il y a du prométhium bien sûr, du cobalt et puis du pentaxyle qui nous sera utile pour le futur carburant du. Saut en hyperespace. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Je régler un peu la sèche, un peu de traviole. Là, je suis pas en train de tout prendre. Il y a de la montagne et de la flotte ici. On va mettre un peu en milieu. Là, il y a un petit quelque chose. Le soleil se lève. Qu'est-ce qu'on a découvert? Du pentaxyle, puis un petit drone. Non, attendez. On va pas le laisser tout seul lui. Pouf. On va remettre le frein. Carabot, c'est bien avec les ombres, on va exactement à peu près dans la position où on est. Merci cousin. Et on est reparti. Et on va vers l'est. Hein. Et puis on va aller voir ce qu'il y a de beau. Il y a le soleil qui se lève. On va passer, on va bien enlever tout ce brouillard, on va aller vers le sud après pour enlever le brouillard en dessous. Un peu plus pour le sud. Voilà, c'est pas mal. Là, on se repart bien à l'est. On a tel qui vient de vibrer.
à droite. On va redescendre sur cette pointe là. On va carrément descendre beaucoup plus vite que ça. Suggestion d'amis, bien entendu. On va descendre même à fond sud. Donc on peut recharger hein, toujours aussi les. Ce qui est vraiment dans la barre de tâche ici, on peut recharger directement avec le R. Après tout ce qui est tourelle automatique, c'est automatique. Il n'y a pas de blême. Je m'excuse, je trifouille encore mon casque. Écoute, il n'y a vraiment pas grand chose sur cette planète, hein, décidément. Bonne petite structure. Ouais. On va peut-être pas se plaindre, parce qu'on va peut-être tomber sur des. Base un peu plus tendue avec des tourelles de défense aussi. On a quelque chose aussi d'enfonce. Crash DLC, c'est quoi? Il est où? Ah, il est dans la flotte. Ah oui, bah dis donc, il est dans la flotte carrément, quoi. On le voit même pas. Un petit drone et une petite base là-bas. Alors là, attention, on va acheter le petit drone pour avoir. Et on va repartir au galop, à ras du sol si possible. Parce que là on a vu une jolie base avec des jolies tourelles. Donc il n'y a pas moyen. Alors pour éviter les tourelles, bah, vous zigzaguez dans tous les sens. Donc là on repart carrément à l'ouest. Pourquoi pas, hein, on peut repartir à l'ouest. Hein. Comme ça on fait le brouillard de guerre, le pôle. Le sud est juste à gauche, et juste là. La base est là-bas. On retourne dans la nuit là. C'est dommage, je ne mène pas les distances de la cible, quoi. Ça c'est bien un point rouge, enfin il y a un grand trait rouge et puis un petit trait à gauche. Mais bon, c'est peut-être par rapport à la dangerosité du site, on va dire. Parce que le fois j'en ai eu plus, j'ai eu la grande barre en haut, rouge, d'accord. Puis les barres d'au-dessous, il y en avait une ou deux. Ça par contre, ça c'est méchant, ça par contre. On va pas passer par là-bas. Là, il y a de la tourelle sérieux. On va pas aller la voir, ça c'est sûr. Je crois que je suis déjà passé par là. Non, non, je suis pas passé. Ça c'est une saleté. Là, il y a au moins 4 tourelles au-dessus. Au moins 4 tourelles au-dessus. Ça faut même pas y penser là tout de suite. Ça c'est bon pour laisser son vaisseau. C'est bon pour laisser son vaisseau sans cockpit et sans rien. Puis rentrer à pied. C'est pour ça que j'ai toujours la bécane, on sait jamais. On va remonter un peu, parce que là on est un peu. À l'heure ou à l'eau. Je crois qu'on va retourner à la base, mais on va carrément aller sur la lune leur foutre une branlée. Parce que là il n'y a pas grand chose, une petite base désinfectée. Il y aura un drone au dessus, mais il y aura alors là les petits loulous, comme vous pouvez voir là, ça c'est le genre de truc, faut même pas y aller. On va se tirer très très vite, je vais essayer de raser le sol. Pouf, parce que ça je vous confirme qu'il vous dérouille, hein. Un peu d'XP aussi. Ça je vous dis, ça vous fait du mal là. Là il y a des tourelles de défense et un tas de trucs. Ça c'est une grosse base. Là je vous dis, il y a 4 ou 5 bâtiments. Là aussi d'ailleurs.
La colonie. Oh là 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 là, colonie. C'est la première fois que je vois ça, bâtiment colonie. C'est la première fois. Prometheum, ok. La première fois que je vois une base colonie, tiens. Non, souvent, pas des bases, il y a toujours des trucs intéressants. Colonie, ça c'est intéressant ça. On va combien de ça. Ça, ça. De toute façon, ça sera une cible dans cette partie de venir péter, de pacifier cette planète de tous ces sauvages. Ici, c'est toujours le brouillard. Là, il y a un petit drone, on va aller récupérer. On va le dérouiller. Ah merde, ça c'est un truc de défense. Ouh là là, coco. La fringuitude tire vite, très vite, très vite. Là, comme vous pouvez voir, je vais me mettre dans l'axe. Là, il y a de la... Merde. Vous l'avez pas vu. Ah, c'est une tourelle de défense. Et puis ceux-là, je peux vous dire, elle vous démonte la carcasse. Quelque chose de bien. Par contre, nous avons une petite tour là-bas. C'est une tour alien, on est d'accord. Et on a un truc. Je vais mettre la lumière parce que je vais rien voir. Et on a un truc là-bas en haut. Ouais, fortification. Alors les fortifications, ça je peux vous dire, c'est pas pour rigoler. Hein. Là il y a un Alien Tower, Abandoned Factory. Donc les Abandoned Factory, je vais me stabiliser, je vais ralentir, je vais me baisser. Qu'est-ce qu'on a de beau? Abandoned Factory, il n'y a pas de tourelle. C'est abandonné, donc il n'y a plus de moyens de défense. Là c'est une Tower Alien, et puis je crois si vous avez eu le temps... là-bas, si vous avez eu le temps, si vous en avez eu le temps de vous de voir l'autre tour alien, le téléporteur nous téléporte à cette tour là, mais quelquefois pour quand on veut repartir de cette tour, il nous envoie totalement à un autre endroit. Donc quand c'est abandonné, c'est que c'est abandonné. Donc ça c'est un truc qu'on pourra se faire. On a notre tower alien là. Ok. Radar station. Donc ça là-bas c'est une radar station. Bon, on l'a peut-être pas découvert. Donc on a déjà trouvé une base à démonter, mais celle-là elle risque de prendre un peu de temps quand même. Donc je relâche le frein, je vais aller par là-bas. Tout doucement. Donc là il n'y a pas de... y a rien qui nous tire dessus, il n'y a pas de tour, hein. On est d'accord. Alors là c'est comme un ravis, je sais pas ce que c'est, mais je vais pas trop m'en approcher. Ok, je suis étonné qu'il n'y a pas de tourelle là. Nexus Mainframe, c'est ce qu'il y a au-dessus. Pourquoi il me tire dessus lui là? Oh, sale bête. Ah. Ça c'est un drone. Allez, on se casse. Le drone, on pourrait le foutre en l'air. Là il y en a un autre. Non, c'est pas un drone. Donc ça c'est notre tower alien. Ça c'est une base assez tendu, je crois qu'il y a une tourelle là. Une tourelle là-dessus ou c'est le drone qui nous court au cul? Ah, peut-être qu'il y a une petite mitrailleuse. Une petite mitrailleuse d'appoint. Donc ça, c'est une base quand même. Il y a du boulot pour y aller. Pour rentrer là-dedans, c'est Abandoned Factory, c'est peut-être des tourelles. Ils vous testent des tourelles et avant d'arriver vraiment, il y en a 2-3 à l'intérieur, c'est même pas l'extérieur, des tourelles laser pour démonter les vaisseaux. Donc je peux vous dire que pour les niquer, la dernière fois que je suis rentré dedans, hein, par contre le loot il est terrible là-dedans. Alors la dernière fois que je suis rentré dedans, J'ai souffert les amis, j'ai souffert. Alors là on a déjà vu quelque chose d'intéressant, ça c'est pas mal, on va pouvoir... Abandoned Factory, il est bien mais il est un peu trop tendu là, il est passé 10 plombes. On va aller voir notre petite, je crois qu'on va aller carrément sur la lune, l'Abandoned Factory, on ira un peu plus tard. Parce que là c'est facilement minimum une demi-heure à une heure, juste la base. Tant de faire des allers-retours aussi avec les loot et tout, non non. C'est quand même nettement long. Donc ça va avec cette tour alien là, celle-là. Alien Tower.
Nexus maintenant, ça ouais ok c'est. Nexus maintenance on pourrait faire. On pourrait faire hein, Nexus maintenance. Mais pour l'instant ça va le faire. Là on va se débloquer un petit quelque chose, c'est notre. Oups, c'est notre tower alien qu'on devait aller. On va oups, on va se poser gaiement là, tranquillement. Oups. Donc faut mettre le frein parce qu'autrement le vaisseau il se stabilise pas du tout. On va couper le jus, capteur, l'énergie. L'énergie on le laisse pour le frigo, mais le frigo. J'aime bien la musique. Les bruits d'ambiance, je m'excuse. Je laisse s'allumer pour le frigo, mais bon le frigo il y a rien. Si on coupe l'énergie, il n'y a plus d'énergie dans le frigo, puis ben, tout ce qui est dedans pourri. Donc on va relancer le tuto, puis on va faire ce petit truc d'alien là. Donc là il vous dit, ah qu'est-ce que vous avez? Ben là on a une base sur Gatiche, mais un vaisseau. Là, si on le sélectionne, on arrivera peut-être à le voir, à même les désactiver au vol, tout ça. PDA, donc activer le tutoriel. Allons-y. Et puis il doit nous dire, on va faire quelque chose dans cette base. Faut laisser le temps de s'activer, parce que le tutoriel il est pas toujours très violent. Eh voilà, trouver un signal d'émetteur. On y est, hein, on y est. Faut aller dedans. Pouf. Alors là, on est dans le tuto, hein, on est d'accord. Là, c'est juste pour débloquer un peu, prendre un peu d'XP. Et il nous dit qu'est-ce que c'est. Trouver commutateur. Ouais, d'accord. Où ça? Comment on peut trouver un commutateur? On a de lumière. Ouais, on a de la lumière. Alors, trouver commutateur. Qu'est-ce qu'on va trouver? Il n'y a rien d'anormal, hein. Peut-être ce truc-là. Ah! Quelle fois quand il y a des petits bords, c'est qu'il y a une cachette. Alors on allume le jus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Examiner la salle. Là il y a des petits textes et tout, c'est cool ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Un bol inconnu, blablabla, blubiblu, RERE, blablabla, blubiblu. Ah, attention, il se passe quelque chose derrière le panneau rouge. Ouh, bah alors on va se cacher. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah la porte s'est ouverte, ok. Ça, c'est fait partie du tuto. Hein. Donc, les gars, d'habitude, on n'a rien, on n'a pas ces armes-là. Hein. Mais, il y a des bestioles, et puis c'est. Faut les tuer parce que voilà, faut les tuer parce qu'ils sont méchants. Hein. Donc il y en a une là, et puis il y en a une de l'autre côté avec un peu de chance. Elle est où la méchante? Elle est où la méchante? Elle est où la deuxième bestiole? Elle est là, elle se cache dans le mur. Et voilà, puis on a gagné un peu d'XP. Niveau 14, 70 de débloqué, c'est nickel. Et voilà, le tuto, bah, il continue, il va nous dire retourner à l'épave, quoi. Donc l'épave, c'est où on était, nous, quoi. Donc, ça fait partie du tuto, donc on peut y retourner, ça va nous en faire un peu de... Ah, bah, vous avez vu, le vaisseau, il est quand même abîmé, hein. Donc, que l'abîmé comme ça, on a toujours notre petit réparateur. Réparer. On garde appuyé, et tout ce qui sera abîmé sera réparé. Donc le cockpit, c'est le plus... le plus souvent attaqué. Bon, c'est peut-être parce que le noyau il est juste derrière. J'essaie de taper le noyau, donc si le cockpit il est au milieu, bah, il tire dans le cockpit. Mais bon, une fois que le cockpit est éclaté, vous êtes dans le cockpit, vous tombez, puis le vaisseau il n'est plus pilotable parce que vous n'avez plus de cockpit. C'est un avantage des avantages dans ce... ce vaisseau là, les vaisseaux à cockpit quoi. Alors ben on va retourner, il nous a dit, hein, il nous a dit retourner à l'épave, monsieur Fringy, donc on va retourner à l'épave, de toute façon on va retourner à la base. On va retourner de toute façon à la base, donc allons-y quoi.
On va vider un peu de notre petit stuff, on va reprendre des recharges et tout, puis on va repartir direct. On va partir pas sur la pour la, le factory, non. Mais on va aller sur la lune, il y a des petites bases pas trop compliquées. Il y a un peu de loot tranquille. Faire un peu de castagne. Facilement, on va dire. Peut-être pas dire facilement, parce que quelquefois je dis facilement, mais je me fais démonter. Plusieurs fois, bien entendu. Donc là, il va nous dire, mais reviens à la maison, garçon, reviens à la maison. Donc je reviens par là, puis il me dit, ok, bah, le noyau, panneau solaire, ouais, ok, d'accord. Il y a de la lumière. Comment ça se fait qu'il y a de la lumière? Si voulez-vous faire de cette épave pour la première base, fabriquer un noyau, panneau solaire, blablabla, ok, d'accord, ok. C'est un an passé de la lumière. C'est vraiment sympa. On ne veut pas. On veut pas faire de. On va faire notre base ici, mon petit loulou. On est déjà bien avancé. Donc il faut déjà qu'on trouve où on est. Ça faut que je mette sur le. Sur le. Si c'est marqué, c'est affiché sur le. Non, c'est pas affiché. La base. Non, ça c'est gisement. Faut que je sélectionne la base. C'est toujours de la. C'est toujours n'importe quoi ce truc. Voilà. Ah, la maison, elle est sur la sur le cuivre, donc forcément ça va pas. Là, on a une base, là on a une petite tente, ouais, quand c'est tout stacké, c'est la merde. Donc on peut mettre la maison ici. Voilà, là la maison, elle y est, et là on a notre maison sur le plan. Notre petite base fringuille. Bon, on peut aller voir le titan, mais ce titan crash, machin, truc, je sais même pas si on l'a découvert d'ailleurs. Ton crash, ouais, même pas, c'est une zone où on n'a même pas encore. Bon, ça c'est plus tuto, donc on n'en a plus besoin. On va le désactiver déjà, même tout de suite. Merci le tuto, tu m'as fait gagner un peu d'XP. Désactiver le tuto, paf. Là, tout de suite, j'ai débloqué ça, paf, ça aussi, et paf. Il faut arriver à la base pour lancer nos petits chests de munitions. Mettre nos tourelles là. Le frein est activé, on va essayer de se poser dans notre petite zone. Je commence un peu lumineux. Voilà. On va couper le jus. Là on est good quoi. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? De la bouffe, bien sûr, on a de la bouffe, donc on va en mettre là-dedans. On va faire nos deux petits steaks pour les manger tout de suite. Ça c'est des médocs, on va les laisser par là. J'aime pas que je les ai chopés les médocs en fait. Ah dans les vaisseaux, il très juste. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est du carbu, ça c'est des mines. On va laisser ça on peut le mettre là. L'énergie, elle est comment? 49% là, ça vaut, tu vois, ça, vous voyez les gars. Ça marche bien là, ça marche bien. Qu'il y a beaucoup de panneaux, qu'on a tous les panneaux avec les suffisamment de modules de réserve de batterie, ça marche super bien. Bien sûr, si. Bon, c'est pas encore tout poussé, hein. Je crois qu'il va falloir que je fasse une expédition au village pour tuer un peu de pélo, pour qu'il me file un peu de culture. Parce que là, il faut du maïs, hein. Il faut du blé. Il faut du blé, puis après on ira sur la lune. Qu'est-ce que vous en pensez, les petits loulous? Moi, je crois que c'est intéressant. Je crois que c'est intéressant. Il me reste plus grand-chose en ressources là-dedans, quand même. C'est un peu le désespoir. M'en lancer 2-3 trucs à faire, un peu d'oxygène, j'ai de l'eau, c'est bon.
tous les chests. Pourquoi y a pas assez? Plaque d'acier. Ah bon, d'accord. Je peux pas avoir mon petit coffre. Moi, j'ai plus de fer. Moi, j'ai plus de fer, hein, forcément. Hein, j'ai plus de fer. Il y a le petit et le grand. Donc, les capacités sont différentes. On peut changer de forme dans tous les sens, mais enfin de forme. On peut les mettre dans plusieurs sens différents. Bon, un cube, carré va rester un carré. Le reste non. Et pour l'instant, on va faire ça. On va faire le petit dodo et on revient tout de suite. Allez. Et ben voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et n'hésitez pas à aller voir les prochains. Et n'hésitez pas surtout, et encore, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci beaucoup. Allez voir mes autres épisodes, les autres épisodes des autres jeux. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, faites pas les fous et puis tchou!